Bueno, pues ahora sí que estamos enfilando la recta final. Esta tarde vamos a tener el gusto y el honor de escuchar a Kim Diu, nuestra presidenta de la Federación Europea, que está aquí como preludio del retiro de silencio, que luego ya os hablaremos, pero que este año va a cambiar. Aprovecho para poner la cuña. Este año vamos a cambiar las fechas del retiro de silencio y en lugar de diciembre se celebrarán el fin de semana justo antes de 1 de noviembre. Domingo 30, lunes 31 y martes 1 de noviembre. Esto es un paréntesis. Todo el mundo que estamos aquí creo que conocemos el buen hacer de Tranti Kim Diu. Lleva muchos años con nosotros. Todavía no he hecho como Yante, que es aprender español para poder hablarnos directamente. Pero bueno, todo llegará un día tal vez llegue. De momento, como tenemos a Ana María con nosotros, y bueno, si no es ella, soy el comodín, pero ella lo hace muchísimo mejor que yo. Vamos a seguir traduciéndola mientras ella vaya estudiando el español en los planos acásicos. Todos conocemos también la profundidad de los discursos de Kim Diu y los que no la conozcáis, pues bueno, a los miembros que no la conozcan, les aconsejo que se apunten al retiro de silencio que ella hace anualmente. Nada más, voy a dejar a Kim Diu con la palabra y a Ana María con la segunda palabra traductora. Merci. Frères et sœurs, hermanos y hermanas, c'est un grand honneur d'être avec vous aujourd'hui pour célébrer le premier centenaire. I switch in English. I said that we speak English. No. You can speak French. I think they prefer it. Who prefer? I think the in general people prefer. ¿Preferís que hable en francés o en inglés? Española. No, me es igual. What would you like? You prefer English or French? ¿Qué preferís vosotros? Francés. French. Okay, so French. Okay. C'est un grand honneur pour moi d'être ici avec vous pour célébrer le premier centenaire de la section espagnole. Es un gran honor para mí estar aquí con todos vosotros para celebrar el primer centenario de la Sociedad Teosófica Española. La sección española que yo comencé a visitar très régulièrement, assidûment, depuis début l'an 2000, 2005 jusqu'à maintenant, on est déjà au 16e ou 17e rencontre. La sección española que empecé a visitar regularmente y asiduamente hacia el año 2005 y hasta ahora, y que ya creo que ya hemos hecho unos 16 o 17 encuentros. Mais votre histoire va plus loin que cela. Votre histoire va dans les profondeurs de la conscience humaine. Pero vuestra historia va mucho más allá de esto. Vuestra historia va en las profundidades de la conciencia humana. J'ai eu plaisir à écouter
et à comprendre dans la mesure de ma compréhension en espagnol toutes les contributions jusque-là données par nos frères et sœurs ici. Me ha complacido mucho escuchar y entender en la medida en que me ha sido posible todas las contribuciones de los hermanos y hermanas que han participado hasta ahora. J'étais très très touchée de revivre des épisodes historiques dont j'ai déjà entendu parler par plusieurs personnes à plusieurs époques de temps. Me ha emocionado mucho recordar episodios de épocas pasadas de las que ya había oído hablar e incluso conocía. J'étais extrêmement émue en même temps que notre ami Angeles quand elle présente les choses, en même temps que notre frère ami Tarago quand elle présente, il te présente des choses, mais ma façon de m'exprimer est différente. Je n'ai pas pleuré avec eux. Me he emocionado muchísimo, igual que se ha emocionado nuestra hermana Ángeles y nuestro hermano Tarragó cuando hicieron sus presentaciones, pero mi manera de mostrar esa emoción es diferente. Yo no lloré como ellos. Probablemente cela est dû à mes estándares oriental. Probablemente se debe a mis escandas orientales. Qui ne se laisse pas ver voir les émotions que l'on éprouve. Que no deja que se expresen las emociones que sentimos. Mais ces émotions étaient là. Pero esas emociones estaban allí. Particulièrement quand j'ai revu la liste des personnes qui se sont sacrifiées pour la survie de la connaissance théosophique. Especialmente cuando vi la lista de personas que se sacrificaron para hacer conocer y para que sobreviviera el conocimiento de la teosofía. A ceux et celles qui ont été malmenés, emprisonnés, même assassinés, je porte un hommage profond et plein de reconnaissance. A todas esas personas que se sacrificaron tanto, que fueron maltratadas, que fueron encarceladas e incluso asesinadas, les dedico un reconocimiento, un homenaje lleno de amor. Et de reconnaissance. De reconocimiento. L'amour c'est pour après. El amor es para después. Dans mon développement, elle est allée plus loin que moi. Okay. Esto es, yo he ido más lejos que ella en el desarrollo. Donc, je porte une reconnaissance très émue vis-à-vis de ces personnes. Por lo tanto, tengo un reconocimiento muy emotivo respecto a esas personas. Déjà par la connaissance des noms, comme Ziffré, qu'on peut lire d'ailleurs beaucoup d'épisodes dans l'histoire de la Société théosophique mondiale. No ya solo por el reconocimiento de los nombres, como Ziffré, del cual se puede leer muchísimo en todos, en muchos escritos teosóficos a nivel mundial. Il y a d'autres noms, évidemment, que les orateurs et oratrices ont présentés avec beaucoup d'expertise et de connaissances. Hay muchos otros nombres que, evidentemente, han sido presentados por las oradoras y los oradores con mucha experiencia y conocimiento. Je me souviens, dans certaines de mes conversations avec Madame Rada Burnier, notre président d'une certaine époque, président mondial, elle m'a parlé spontanément de la section espagnole quand l'Espagne n'a pas été transformée en république. N'a pas été encore. Encore. Me acuerdo de mis conversaciones con Rada Barnier, que fue nuestra presidenta internacional en su época, y ella me hablaba de la sociedad teosófica en España antes de que España fuera una república. Y ella dice, esta año, son las palabras de Madame Burnier, esta año he recibido un reporte, muy, muy buen reporte de España. Y me decía, hablando de Rada Barnier, ella me decía, este año he recibido un muy buen informe de España. La cueillette de fruits ont été très bonne. La cosecha ha sido muy buena.
Vous savez de quoi il s'agit? Cela veut dire que vous avez des nouveaux membres à l'époque dans la section, parce que sous la dictature, vous ne pouvez pas dire société théosophique. C'est une amicale à l'époque. Amicale? Oui, c'est une association amicale de l'âge, au lieu de la société théosophique. Esto quiere decir que había muchos nuevos miembros. En la época franquista no se podía llamar sociedad teosófica, se llamaba sociedad de los amigos de la India. Donc, le rapport dit, cette année, la cueillette de fruits est très bonne. Y el informe dice que la cosecha de frutos ha sido muy buena. Alors, elle a traduit le rapport pour moi, elle a dit, cela veut dire qu'ils ont gagné des membres. Y me tradujo esta expresión para mí, me dijo, esto quiere decir que han conseguido más miembros. Et j'étais très, très émue d'apprendre qu'il faut écrire de façon absolument secrète avec des codes pour ne pas être mis en prison. Y ella estaba muy emocionada también porque había que escribir con códigos secretos para no ser encarcelado. En fait, ces moments-là aussi étaient complémentés par des moments très rares où j'ai partagé certaines écondités avec elle, ici en Espagne. Pocos momentos en los que yo compartí momentos de, vous avez partagé quoi avec elle? L'école d'été. Ah, en los que compartí alguna escuela de verano con ella. Aquí. Et la dernière école d'été que nous avons partagé, c'est en 1999 à Sant Feliu de Quixol. Y la última escuela de verano que compartimos fue en Sant Feliu de Guíxols en 1999. Et la secrétaire, le secrétaire général à l'époque, qui est Tarago, a chargé sa femme de me dire, tu t'occupes de radar, hein? Y el secretario general de entonces, que era José Tarragó, le dijo a su mujer que me encargara a mí de ocuparme de radar. Alors, allez, tu t'occupes de radar. Parce que tout le monde a un peu peur d'elle. Porque todo el mundo tenía un poco de miedo de ella. Elle suppose que je n'ai pas peur d'elle. Y suponía él que yo no tenía miedo de ella. C'est vrai. Bon, en tout cas, nous avons passé des après-midi ensemble. Pasamos muchas tardes juntas. A raconter des histoires. Contándonos historias. A elle aussi de me dire, ce que vous faites là, c'est pas très bien. Rada. Oui. Y Rada me decía a veces, lo que haces no está muy bien. Et je dis, je fais ça parce que. Y yo le decía, lo hago porque. Alors, elle n'a plus d'arguments pour dire que c'est pas bien. Donc, j'ai fait bien. Y entonces ya se quedaba sin argumentos para decir que no lo hacía bien. Así que sí que lo hacía bien. Votre histoire marche pas beaucoup là. Hein? ¿Esto no funciona o qué? Alors, donc, nous avons donc partagé des écoles d'été dans une ambiance plutôt relaxe, ce qui nous a permis de parler beaucoup de choses très sérieuses, mais de façon relaxe. Así que pasamos unas cuantas escuelas de verano que compartimos y esto nos permitió hablar de bastantes cosas muy importantes y muy serias, pero de una manera relajada. Que de souvenirs des écoles d'été. ¿Cuántos recuerdos de todas aquellas escuelas de verano? Tous très émouvants. Tout était émouvant. Oui. Todo era muy emotivo. Et particulièrement dans cette école d'été où j'ai vu votre papa, Saturnino, Dora, à 103 ans, se tenir debout, parlant plus d'une heure, sans arrêt, sans s'essouffler. Je dis, mais waouh, si tous les membres étaient comme ça, la société. Y especialmente aquella escuela de verano en la que vi a vuestro padre
con 100 años hablando de pie durante más de una hora sin cansarse, sin ahogarse y yo pensé, ojalá todos los miembros llegaran a hacer lo mismo. Son 3 años, parler sans papier pendant une heure. 100 años hablar durante una hora sin papeles. Extraordinaire, ¿no? Extraordinario. Et je remarquais une chose plus touchante encore, c'est que pas seulement son 3 ans parlant pendant une heure, mais la façon dont il présente les choses, cette passion qu'il porte en lui. Et une chose qui todavía me sorprendió más fue que no solo estuvo una hora hablando sin papeles, sino la pasión que ponía en todo lo que explicaba. C'est pas cette passion dans le sens ordinaire, mais je dirais le feu sacré qu'il porte en lui. No se trata de la pasión en el sentido ordinario, sino el fuego sagrado que llevaba dentro. On sent que l'âme spirituelle de cet individu a été rallumée quelque part. Se sentía que el alma espiritual de ese individuo había sido encendida en algún sitio, en algún lugar. En termes spirituels, c'est quelqu'un qui est rené, né deuxième fois avec cette flamme spirituelle. En términos espirituales, era un individuo que había renacido, había nacido una segunda vez, con ese fuego espiritual. De une deuxième fois. C'est-à-dire pas seulement une naissance physique, mais une naissance spirituelle. No solo había nacido físicamente, sino también espiritualmente. L'âme de ces individus, c'est un porteur de lumière. El alma de estos individuos es una portadora de luz. Et quand ces individus parlent, il y a quelque chose d'animé et quelque chose de vivant qui part directement de la conscience. Y cuando estos individuos hablan, hay algo que parte, hay algo vivo que sale directamente de la conciencia. Et les mots ne sont plus que les récipients qui véhiculent l'eau vive de la spiritualité. Y las palabras no son más que los recipientes que vehiculan el agua viva de la espiritualidad. Si vous me demandez qu'avez-vous retenu de cette école d'été? Si me preguntáis qué he conservado de esa escuela de verano, je vous répondrai cette impression d'être complètement rafraîchi, renouvelé dans l'âme par l'attitude de Saturnino Tora. Fue esta impresión de haber sido refrescada en mi alma por la actitud de Saturnino Torra. Je me rappelle plus de quoi il a parlé. No me acuerdo de lo que habló. Les mots s'envolent. Las palabras vuelan. Qu'est-ce qui reste, c'est l'impression qui est imprimée en vous, dans votre âme. Lo que queda es la impresión que quedó impregnada en vuestra alma. Parce que l'âme, quand il s'en souvient. Porque cuando el alma recibe buen alimento, se acuerda. Pour être trivial, vous allez partir de cette école d'été, cette célébration, en disant, qu'est-ce qu'on a bien mangé ici? Para ser trivial, cuando salgáis de esta escuela de verano, diréis, qué bien hemos comido. C'est parce que c'est le souvenir du corps physique. Porque es qui garde une bonne impression. Es el recuerdo del cuerpo físico. Tiene una buena impresión de su alimento. Mais au niveau de l'âme, c'est pareil. Pero al nivel del alma es igual. Si vous ne donnez pas de la bonne nourriture à l'âme, il va s'assécher et va mourir un jour. Si no le dais buen alimento al alma, un día se secará y se morirá. Donc, ce qu'on reçoit au niveau spirituel, c'est cette nourriture-là qui nous permet de croître. Lo que recibimos a nivel espiritual es este alimento que nos permite crecer. Que de souvenirs qui enrichissent notre vie terrestre. ¿Cuántos recuerdos que enriquecen nuestra vida terrestre? Je me rappelle aussi un peu plus loin, dans les années, je crois, 1972, j'ai rencontré Henrez à Paris, dans notre quartier général à Paris, 4 Square A, pour la première fois.
También me acuerdo de los años de 1972, donde conocí por primera vez a Ángeles en nuestro cuartel general de París, en Square Rap. Nous étions jeunes. Éramos jóvenes. Jeunes. Jóvenes. Teósofos. Nous étions. Éramos. Jeunes théosophes. Jóvenes théosophes. Alors, sur la rotonde, si vous connaissez un peu l'architecture, je lui ai dit, d'où est-ce que tu viens? Y en la rotonda, si conocéis un poco la arquitectura, le pregunté, ¿de dónde vienes? Y me dijo, de España. Elle dit, et toi? Et tu? Je dis, mais moi, c'est ici, mais je suis du Vietnam. ¿Y tú, de dónde vienes? Yo le dije, bueno, yo soy de aquí, yo vivo aquí, pero soy del Vietnam. Elle me dit, tu es théosophe depuis longtemps? Je dis, oui, récemment. Ma famille est plutôt de tendance bouddhiste Mahayana. Y me dijo, ¿y hace tiempo que eres teósofa? Yo le dije, recientemente, porque mi familia es de tendencia budista Mahayana. Et on est très progressiste, hein? On ne va pas faire les statues, non. Somos muy progresistas, ¿eh? No vamos plutôt a... la philosophie et la pratique de la vie. On ne vénère pas les statues, c'est plutôt la pratique de la philosophie. No veneramos el estatuto, sino más bien la práctica de la enseñanza. Y yo dije, ¿y tú? Elle a dit, dans la théosophie, je suis née dedans. Ah, en la teosofía yo he nacido dentro. Je dis, bon, alors on peut s'entendre. Entonces podemos entendernos. C'est comme ça qu'on s'est connus depuis 1972, ça fait exactement 50 ans. Y hace, es así como nos conocimos hace 50 años, en 1972. Un demi-siècle compte. Hein? Y medio siglo cuenta. Half a century. Medio siglo. La moitié d'un siècle, ça compte. Sí, la mitad de un siglo es bastante. Certains d'entre vous dans cette pièce-là, peut-être, n'avaient pas encore 50 ans. Tal vez algunos de vosotros todavía no tenéis los 50 años. Levez le doigt. Ceux qui n'ont pas encore 50 ans. Levantad la mano los que no tenéis todavía 50 años. Vous êtes tricheuse. Estás haciendo trampas. Alors, 50 ans, vous vous rendez compte? Os fijáis, 50 años. Voilà. Alors, on se surveille. Nos vigilamos. Hein? Pour dire si tu es bien fait et tu n'es pas bien fait. 50 ans. Alors, c'est pour vous dire que c'est une histoire qui continue, l'histoire de la théosophie et de la société théosophique. Es para deciros que es una historia que continúa, la historia de la sociedad teosófica y de la teosofía. C'est une histoire vraiment, absolument inspiratrice. Es una historia totalmente, verdaderamente inspiradora. Plein de nutrition spirituelle. Llena de alimento espiritual. Avec l'amitié. Con la amistad. L'affection. El afecto. La confiance. La confianza. La coopération. La coopération. Etc. etc. Il n'y a que des positifs. Etc. etc. Todo es positivo. Oui, parce que nous ne sommes pas de ceux qui. Porque no somos de esos que van. On vient au carré. Et voilà. Alors, donc, c'est une histoire pleine de, je dirais, de, un peu d'attachement quand même. Es una historia llena de, yo diría que de apego, un poco de apego. Parce que, au moment de la vérité, qui est notre mort, il y a certaines choses essentielles qui vont être passées dans la conscience. Porque en el momento de la verdad, de nuestra muerte, hay algunas cosas esenciales que van a pasar a nuestra conciencia. Et je pense que ces souvenirs vont avoir une place prépondérante dans ce souvenir qui vont passer dans la mémoire avant de mourir. Y creo que este recuerdo tendrá un lugar importante en que pasará a la conciencia antes de morir. Travailler ensemble, c'est quelque chose de formidable. Trabajar juntos es algo formidable. Étudier ensemble, c'est quelque chose de formidable. Estudiar juntos es formidable también. Premièrement, parce que des conditions, quand on fait ensemble, il y a une,
un facteur de synergie qui augmente l'addition. Porque primero, porque en, cuando se trabaja juntos hay un factor de sinergia que aumenta la suma. En general, on commence avec trois, le groupe. Generalmente, un grupo se empieza con tres. Pourquoi vous dites pourquoi on peut commencer par deux? ¿Por qué no se puede empezar por dos, diréis? Ben oui, parce que ça tourne mal, souvent. Porque muchas veces acaba mal. Sinon, ça tourne avec un troisième qui est un enfant. Sinon, ça tourne. Ça tourne avec un troisième qui est un enfant. Qui est? Sinon, ça tourne avec un troisième qui vient comme un enfant de ces deux. Ah, sinon, se empieza con un tercero que es como el hijo de los dos. Pour ça qu'il faut commencer à trois, mais pas à deux. Por esto hay que empezar con tres en lugar de dos. Comprendo? Comprendo. Alors, donc le groupe c'est trois, et on dit, mais trois c'est un, 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 ça fait trois. Non, non, quand on travaille et on étudie ensemble, ce n'est pas un, un, trois. Supérieur à trois, parce que l'énergie que l'on met ensemble, c'est plus que un, un, un. Entonces podéis decir, bueno, tres pues es uno, uno y uno, pero no es verdad, porque cuando hay tres, la energía que se añade por el conjunto es más que uno, uno y uno. Partout dans le monde, on a toujours essayé de, d'encourager les membres à étudier ensemble. En todas partes del mundo siempre se ha fomentado el estudio de varias personas juntas. Parce que quand on étudie seul, après un certain temps, l'individu a tendance à dire qu'il sait mieux que tout le monde. Porque cuando uno estudia solo, al cabo de un cierto tiempo, el individuo tiene tendencia a decir que ya sabe más que nadie. Enfermé son dans sa tour d'ivoire, il se croit le roi du monde. Encerrado en su torre de marfil, se cree el rey del mundo. Il faut rencontrer frères et sœurs et laisser le miroir vous refléter pour voir vos propres défauts. Hay que juntarse con hermanos y hermanas y dejar que el espejo os refleje vuestros propios defectos. Personne n'est parfait. Nadie es perfecto. Il n'y a pas de personne parfaite dans la société théosophique. No hay nadie, ninguna persona perfecta en la sociedad teosófica. À moins que vous pensez que vous soyez cette personne. A menos que penséis que vosotros sois esa persona. Et il n'y a pas de parfait. Pero no hay nadie perfecto. C'est pour ça qu'on est dans la société théosophique pour apprendre ensemble. Por esto estamos en la sociedad teosófica, para aprender juntos. Le jour où, par malheur, l'un de vous pense que vous êtes supérieur aux autres, eh ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu me demandes? No, tu demandas. Oh, vale. Oui. El día en que, por desgracia, penséis que sois superiores a los demás, ¿qué hay que hacer? Allez boire un verre d'eau fraîche, froide. Ir a beber un vaso de agua fría. Et posez-vous. Et faire une pause. J'ai découvert quelques-uns quand même. Dans chaque section, il y a quelques individus qui pensent qu'ils sont supérieurs et que, bon, je ne vais pas continuer parce que c'est négatif. Sí, en todas las secciones siempre he encontrado algunos individuos que se creen superiores. Pero bueno, no voy a continuar porque esto es negativo. Il faut éviter cela. Hay que evitar esto. Parce que quand on commence et qu'on n'est pas conscient de cette attitude, on continue toujours à descendre spirituellement. Porque cuando empezamos así y no somos conscientes de esta actitud, cada vez vamos descendiendo más espiritualmente. C'est vrai, quand on étudie, on connaît beaucoup de choses. Cuando estudiamos, conocemos muchas cosas. Comparativement par rapport aux gens de la rue. Comparativamente respecto a las personas de la calle. Par rapport à la moyenne, la bonne moyenne de l'humanité. Respecto al término medio de la humanidad. Et même par rapport à ceux qui constituent la crème de l'humanité. On peut savoir plus que. E incluso respecto a los que constituyen la crema de la humanidad. Podemos saber más que ellos. C'est un fait. Es un hecho. Mais le fait de dire moi je suis ça, c'est pas bon. Pero el hecho de decir yo soy eso no es bueno. C'est un fait. Pourquoi confirmer que c'est moi? Es un hecho. ¿Por qué confirmar que soy yo? Le fait de confirmer que c'est moi qui est supérieur, c'est ça le mal, pas le fait de connaître mieux.
el daño no es el conocer más que los demás. El daño es confirmar que tú eres superior o que sabes más que los demás. On se suit? ¿Me seguís? Oui. Alors donc, jusque là, tout semble bien et je suis extrêmement heureuse de voir que vous êtes une section qui comprend beaucoup d'étudiants sérieux. Hasta aquí todo está bien y estoy muy contenta de ver que sois una sección que en la cual hay muchos estudiantes serios. Qui parle, qui dit des choses, qui comprennent. Que hablan, que dicen cosas y comprenden. Qui ne font pas que des beaux discours. Que no se limitan a hacer buenos discursos. Parce que pareil, les paroles s'envolent. Porque las palabras vuelan. Les écrits se brûlent. Los escritos pueden quemarse. Juste l'esprit demeure. Solo queda el espíritu. Il faut garder cet esprit intact et le nourrir constamment. Hay que mantener este espíritu intacto y alimentarlo constantemente. Et avec quoi on nourrit cet esprit? ¿Y con qué alimentamos este espíritu? Cet esprit de curiosité spirituelle, de vouloir aider les autres par la connaissance, mais pas seulement connaître pour être supérieur aux autres. Este espíritu curioso que tiene la necesidad de ayudar a los demás, pero sin creerse superior a los demás. Et parce que on fait partie intégrante de l'humanité, on n'est pas différent de l'humanité. Porque formamos parte integrante de la humanidad, no somos distintos a la humanidad. On peut même pas dire je fais partie de l'humanité. Non, je suis l'humanité. Puisque c'est intégrante. No, ni siquiera podemos decir formo parte de la humanidad. No, soy la humanidad porque es integrante. Tout ce qui touche l'humanité me touche. Todo lo que afecta a la humanidad nos afecta a nosotros. Et tout ce qui me touche l'humanité. Y todo lo que me afecta a mí afecta a la humanidad. C'est le même corps, mais un point du corps, c'est moi, c'est vous, et l'ensemble, c'est l'humanité. Es el mismo cuerpo, pero un punto soy yo, otro punto sois vosotros, pero el conjunto es la humanidad. En fait, nous portons dans notre psyché toute la psyché de l'humanité. De hecho, en nuestra psique tenemos toda la psique de la humanidad. C'est pour cela que quand on travaille sur soi et qu'on cherche à vraiment à se transformer, à se sublimer, en surpassant certains états de souffrance, on aide l'humanité aussi à sortir de la souffrance. Es por esto que cuando trabajamos con nosotros mismos, intentamos transformarnos, sublimarnos y salir del sufrimiento, también estamos ayudando a la humanidad a salir del sufrimiento. Parce que vous ne pouvez pas sauver l'humanité ou quelqu'un d'autre rien que par des mots. Porque no podéis salvar a la humanidad ni a nadie más solo con palabras. Il faut savoir voir dans son propre âme, dans son propre psyché, dans sa propre psyché, la souffrance de l'autre pour pouvoir l'aider. Hay que saber y ver en nuestra propia alma, nuestra propia psique, el sufrimiento del otro para poderlo ayudar. Mais voir la souffrance de l'autre ne veut pas dire plonger avec la même personne dans la même souffrance. Pero ver el sufrimiento del otro no quiere decir hundirnos con ese sufrimiento, con ese mismo sufrimiento, con el otro. C'est comme si vous ne savez pas nager et vous voulez sauver une personne qui se noie et puis par émotion vous sautez dans la rivière pour sauver, mais vous ne savez pas nager. Es lo mismo que si una persona se está ahogando y vosotros no sabéis nadar, pero estáis tan asustados, emocionados, que por impulso saltáis al río, pero no sabéis nadar. Ça ferait comme résultat deux noyés au lieu d'un. Dos ahogados en lugar de uno. Donc, il faut avoir un peu de bon sens. Hay que tener sentido común un poco. Il ne faut pas toujours être obsédé par dire je veux aider, mais est-ce que je sais comment faire? No tenéis que estar obsesionados con quiero ayudar, pero ¿sabéis cómo hacerlo? Étudier la théosophie pour comprendre soi-même peut aider à aider les autres. Estudiar la teosofía para comprendernos a nosotros puede ayudarnos a ayudar a los demás. Mais aller aider les autres, ce sentiment de compassion ne n'est pas du fait que je veux aider, parce qu'il y a le jeu qui précède tout le reste. Pero querer ayudar a los demás
por este sentimiento de compasión no sirve porque está el yo. Je veux aider, c'est moi qui est le premier. Je veux aider. Yo quiero ayudar, yo va primero. C'est du non-sens. No es buen sentido. Quelqu'un qui veut vraiment aider, d'abord connaître, apprendre à connaître soi-même. Alguien que realmente quiere ayudar, primero tiene que aprender a conocerse a sí mismo. En regardant dans le passé une sorte de rétrospective, des exemples de sacrifices de nos aînés. Mirando el pasado de forma retrospectiva, viendo los sacrificios que nuestros ancestros, que nuestros mayores han hecho. Le sacrifice, tout ce qu'ils ont enduré pour porter, pour nous transmettre ce trésor qui est la société théosophique. Los sacrificios, todo lo que soportaron para conseguir transmitirnos y traernos ese tesoro que es la sociedad teosófica. Je connais des gens qui ne cessent de répéter « Je veux aider, je veux aider, je veux aider ». Mais en faisant quoi? En répétant « Je veux aider », il faut concrétiser cette volonté d'aider. Là, on doit être là où c'est utile. On n'est pas là pour avoir un poste supérieur. On est là pour aider. Et le « moi, je dois disparaître ». Conozco a gente que dice siempre « quiero ayudar, quiero ayudar, quiero ayudar ». Pero en realidad, ¿cómo pueden hacerlo? Esto no sirve de nada. Estamos aquí para ser útiles, no para tener un sitio superior, un cargo superior, para ayudar a los demás. Chaque fois qu'il y a l'idée « je veux aider », arrêtez-vous tout de suite. Cada vez que tengáis la idea de « yo quiero ayudar », pararos. Y poser cette question extrêmement honnête, qu'est-ce que je veux vraiment? Haceros esa pregunta realmente honesta, que es ¿qué es lo que quiero realmente? Est-ce que je veux aider ou je veux seulement qu'on me reconnaisse? ¿Quiero ayudar o solamente quiero que me reconozcan? C'est l'occasion d'être honnête. Es la ocasión de ser honestos. Ça me rappelle, dans la section française, il y a une vingtaine d'années auparavant. Esto me hace pensar en la sección francesa hace unos 20 años. Il y a un jeune homme d'une trentaine d'années, 30-40. Había un señor de unos 30-40 años. Qui venait à mon cours régulièrement. Que venía a mis cursos regularmente. Qui discute en citant des choses très, très savantes. Que hablaba de cosas muy, muy cultas. Il pensait beaucoup impressionné, mais beaucoup impressionné moi à l'époque. Il pensaba que me impresionaba mucho en esa época. Et il attendait que je lui pose la question, qu'est-ce que vous voulez dire par là, pour qu'il puisse faire un discours. Y esperaba que yo le hiciera la pregunta, ¿qué quieres decir con eso para poder hacer sus discursos? Il est très, très, très déçu parce que je pose pas la question. Y se quedaba muy decepcionado porque yo no le hacía la pregunta. Et après un certain temps, il me dit, j'ai entendu dire que vous êtes très occupé. Y al cabo de un tiempo vino a decirme, he oído decir que usted está muy ocupada, ¿puedo ayudarla? Je dis, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'aider? Quelles sont vos capacités? Dites-moi. Y le pregunté, ¿pero qué es lo que podéis hacer para ayudarme? ¿Cuáles son tus capacidades? Por ejemplo, yo puedo vous remplacer para hacer vos conferencias y vos cursos. Y me dijo, bueno, por ejemplo, puedo sustituirla para dar cursos y conferencias. C'est du vrai, hein? C'est une histoire vraie. Es verdad esto, es verdad. Alors je dis, bon, vous êtes très gentil. Mais ce n'est pas les conférenciers dont on a besoin ici. Il y a une queue là pour être appelé. Yo le dije, bueno, es usted muy amable, pero no son los conferenciantes que ahora necesitamos. Hay una cola, una gente haciendo cola para dar conferencias. Par contre, nous avons quelqu'un qui nous balaye la cour. Pero de otro modo, bueno, por el contrario, tenemos alguien que barre el patio. Dans le temps, moi-même, je le fais, mais je n'ai plus le temps. Maintenant, il faut que quelqu'un m'aide pour balayer la cour.
Yo misma lo hago a veces, pero ahora no tengo tiempo y necesito a alguien que me ayude a barrer el patio. Du coup, il n'est pas Marc-Antoine, ni Cléopâtre. Qui? Ni Cléopâtre, ni Marc-Antoine. Oui, je veux dire, pour rire, il n'est plus Cléopâtre ou Marc-Antoine dans sa tête. Okay. Parce que je l'envoie... Sintió ni Cleopatra ni Marco Antonio. Courageusement, un jour, il s'est venu y dit, je suis là pour balayer la cour. Con mucho valor, un día vino y dijo, he venido a barrer el patio. J'ai dit à quelqu'un de lui donner un balai, il a fait ça deux fois, trois fois, puis il a disparu. Y le dije que le dieran una escoba, y lo hizo dos o tres veces y luego desapareció. Manque de patience. Qué falta de paciencia. Il aurait fait ça pendant un an. Peut-être que j'aurais pris dans mes cours particuliers pour dire, bon, maintenant, on va étudier ensemble. Si lo hubiera hecho durante un año, a lo mejor yo le hubiera admitido en mis cursos particulares y le hubiera dicho, vamos a estudiar juntos. Il a disparu. Pero desapareció. Bon, voilà, c'est une histoire vraie. Es una historia verdadera. Et cette histoire, c'est une histoire de l'humanité qui appartient à la psyché de l'humain. La psyché de l'humain, qui fait que ça se répète toujours, puisque le cours de la conscience, c'est un cours sans début, sans fin, et on se trouve quelque part, et quelque part, il y a toujours quelqu'un qui reprend le même schéma. Pero esta historia es una historia de la humanidad, porque esto está integrado en la psique de la humanidad, y siempre, y la historia de la conciencia es un largo proceso, y siempre, en cada momento, siempre hay alguien, y yo quelqu'un qui, que repite el esquema, oui, que repite, oui, el esquema. Parce que il y a c'est un fleuve sans début, sans fin, et nous on est peut-être, on nage tant bien que mal, avec nos efforts on va, et puis il y en a d'autres qui vont venir, et ils reprennent les mêmes problèmes, analogues. Es porque es que es como un río que no tiene ni principio ni fin y nosotros con nuestros esfuerzos vamos siguiendo ese río, pero hay otros que vienen detrás y demás problemas análogos, siempre con lo mismo. Siempre. Alors, donc, vous êtes là, vous êtes passé par là, cela veut dire que si vous avez vécu avec conscience, vous connaissez tous les problèmes ici. Esto quiere decir que vosotros estáis aquí y conocéis aquello. Y si habéis vivido con conciencia, ya conocéis todos los problemas de allí. Vous pouvez aider. Podéis ayudar. Si vous connaissez ça. Si lo conocéis. Mais si vous passez la chose sans réfléchir, sans rien, vous êtes emporté par le courant. Et le jour où ces gens-là viennent vous demander, vous ne savez pas comment faire pour les aider. Pero si os limitáis a seguir el curso del río sin reflexionar, el día que esas personas con esos problemas vengan a preguntaros, no sabréis cómo ayudarles. Alors, le seul conseil à dire, vis ta vie. Y el único consejo que puedo dar es, vive tu vida. Eh bien, ils vont souffrir comme tout le monde, au lieu de apprendre par expérience, par quelqu'un d'autre qui veut bien les enseigner. Y van a sufrir como todos los demás, en lugar de aprender a través de la experiencia de otra persona que haya reflexionado y que los entienda y que pueda ayudarles. Cette histoire peut s'appliquer à notre société théosophique. Esta historia puede aplicarse a nuestra sociedad teosófica. Chaque section doit passer par des époques de temps où il y a souffrance, où il y a joie, où il y a exaltation, où il y a souffrance, etc. Et arrive à ce moment du centenaire, on doit faire une sorte de résumé de notre vie. En la sociedad teosófica también hay diferentes etapas, siempre, etapas de sufrimiento, etapas de exaltación, pero cuando se llega al centenario hay que hacer una visión retrospectiva y reflexiva de nuestra vida. Y ceux qui ont étudié un certain nombre d'années peuvent aider les autres qui commencent. Ce n'est pas l'âge physique qui compte. Il y a des gens qui ont 80 ans et qui commencent aujourd'hui. Eh bien, au moins, ces gens-là doivent avoir la modestie et l'humilité d'apprendre des plus jeunes, n'est-ce pas, qui peuvent très, très bien les enseigner. No se trata de la edad física.
Hay personas de 80 años que están empezando hoy, pero que pueden aprovechar de la experiencia y de la ayuda de otros más jóvenes que han empezado antes y que pueden ayudarles. Y los jóvenes que quieren aprender deben attendre quand même des années qui leur passent quand même quelques explications pour l'expérience. Y los jóvenes que quieren aprender tienen que también aceptar que personas de más edad y con más experiencia puedan transmitirles sabiduría. Jeune en âge, jeune en maturité de l'âme, je parle de ça plutôt que estoy, jeune en âge. Estoy hablando de jóvenes de madurez del alma, más que de edad. Mais en général, les jeunes dans l'âme veulent faire leur expérience seul. Pero en general los jóvenes de alma quieren hacer sus experiencias solos. Ils passent par l'expérience, par l'apprentissage, par l'expérience et la souffrance. Pasan por el aprendizaje, por la experiencia y por el sufrimiento. Et la société théosophique ne peut pas avoir cette, ne peut pas se donner le droit de passer cela aux jeunes de la en âge immature pour faire des expériences quelconques, pour dire, pour faire un changement. Y la sociedad teosófica no puede atribuirse el derecho de pasar a los jóvenes, le droit de passer aux jeunes, ne peut pas. La sociedad teosófica n'a pas le droit. No tiene derecho, el de derecho. Dire, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez pour faire l'expérience. Ah, de decirles a los más jóvenes, sois libres, hacer lo que queráis para pasar la experiencia. Parce que l'évolution est ça. Porque la evolución es esto. Faire quelque chose de neuf, c'est aussi rester dans ça, mais ne pas sortir pour rentrer dans une méandre. Méandre, c'est oui, oui. Impasse. Oui. Hacer algo nuevo quiere decir faire une chose de neuf, veut dire... Pas neuf. Faire quelque chose de neuf, c'est rester dans le courant, renouveler cela, mais ne pas sortir du courant pour faire quelque chose à part. Et en fait, finalement, ça devient une méandre, c'est-à-dire une impasse. Sí. Hacer algo nuevo no significa salir del curso del río, significa renovar, pero dentro del río, en lugar de salir en un meandro y acabar en un impasse. Cela pour dire que les gens qui veulent faire des expériences, etc., dans la société théosophique, il y a des choses bizarres. Il y a des gens qui veulent faire même des expériences de médiumnité dans la société théosophique. Je dis, mais pourquoi vous venez ici pour faire de la médiumnité? Il y a ailleurs. Ici, on apprend pour être sage, pour comprendre la sagesse divine. Todo esto es para decir que hay personas que quieren hacer todo tipo de experimentos raros y hay gente que viene porque quiere hacer, dentro de la sociedad teosófica, gente que quiere hacer experimentos de mediumnidad y yo les digo, pero ¿por qué venís aquí a hacer experimentos de mediumnidad? Aquí queremos aprender la sabiduría divina. Y dice, mais madame Blavatsky a fait des choses concrétiser les tasses, appelle les élémentales, etc. Je dis, mais c'est une époque révolue. Maintenant, on va à Mars, en Mars. Hein? C'est pas la même époque. Y dicen, bueno, pero es que madame Blavatsky también hacía cosas con las tazas y con los elementales. Y yo les digo, bueno, pero es que hemos evolucionado, ahora nos vamos a Marte, ya es otra época. Ce n'est pas pour nier ce que madame Blavatsky a fait. Elle a fait certaines choses parce que c'est tout à fait encadré dans l'époque. No es para negar lo que hizo madame Blavatsky. Ella hizo todo eso, pero estaba perfectamente encuadrado en esa época. Pourquoi vous voulez revenir à cette époque? Est-ce que vous êtes si peu inventif? ¿Y por qué queréis volver a esa época y sois tan poco inventivos? Si vous voulez faire quelque chose de nouveau, inventer quelque chose de nouveau, mais ne pas revenir pour dire... Madame Blavatsky l'a fait. Ben oui, ben, mais Ariel, en Airbus 380, hein, il voyageait en cheval avec une voiture tirée par des chevaux. Bon alors, vous comprenez? Si queréis hacer algo nuevo, inventad algo nuevo, pero no queráis repetir lo que hacía Madame Blavatsky en un momento dado. A ver, vuestros abuelos y bisabuelos viajaban en carretas, en mulos, y no iban en aviones supersónicos. Donc, nos souvenirs de beaucoup de choses
que nos aînés ont fait, beaucoup ont fait, dans le passé, pour nous passer l'héritage de la société théosophique, la maison qui héberge la théosophie, la science divine. Al recordar todos nuestros mayores que han hecho tantos sacrificios para transmitirnos toda esa sabiduría divina dentro de la casa que alberga esta sabiduría divina. Il nous faut donc continuer l'œuvre. Continuer l'œuvre. Tenemos que continuar la obra. C'est comme si on a reçu un héritage. Il faut faire fructifier. Es como si hubiéramos recibido una herencia que hemos de hacer fructificar. Sinon, vous connaissez la parabole des talents. ¿Conocéis la parábola de los talentos? Il faut faire quelque chose en utilisant notre instrument qui est le mental. Hay que hacer algo utilizando nuestro instrumento que es la mente. C'est l'instrument avec lequel, en l'utilisant, l'humanité peut dépasser son stade d'humain pour passer à un autre règne. Es el instrumento con el cual la humanidad, si lo utiliza, puede pasar del estado humano a otro reino. Ne dites pas, je ne suis pas du mental, je suis du cœur. Ça, c'est déjà dépassé, démodé, comme justificatif. No os queráis justificar con algo que ya está pasado de moda. Yo no soy de la cabeza, yo soy del corazón. On nous a donné un mental, utilisez-le. Si os ha dado una mente, utilizadla. Moins vous l'utilisez, moins il sera, plus il sera rétréci et vous n'aurez plus de mental. Cuanto menos lo utilicéis, más se irá encogiendo hasta que no lo tengáis. Donc, il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser et développer. Hay que utilizarlo y desarrollarlo. Par le raisonnement. A través del razonamiento. Et avec ce raisonnement, on arrive au discernement. Y a través del razonamiento se llega al discernimiento. Discernement, qui est la couronne de la connaissance. Que es la corona del conocimiento. Toutes les connaissances n'arrivent pas à égaliser cette couronne qui est la couronne du discernement qui fait que on voit les choses tout de suite, ce qui est bien, ce qui est mal. C'est un mental sans choix. Todos los conocimientos no llegan a igualar esa corona que es el discernimiento que hace que veáis inmediatamente lo que está bien y lo que está mal. Es una mente sin opciones. Nos aînés, nos instructeurs omniscients ont une méthode de test imparable. Nuestros mayores omniscientes tienen un método de test, de probar, imparable. 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 Et vous demandent, vous voulez bien faire ceci? Os preguntan, ¿quieres hacer esto? Si vous répondez, laissez-moi le temps de réfléchir. Si respondéis, déjamelo pensar. Vous avez raté l'examen. Y habéis suspendido el examen. Un leadbeater, Cash, lui a dit, laissez tout et venez ici parce qu'on a besoin de vous. Il laisse tout, il s'en va à Madras. Un leadbeater, KH, le dijo, déjalo todo y ven para aquí. Y el leadbeater lo dejó todo y se fue a Madras. Il me semble que c'est leadbeater qui dit à General Zadaza, il faut que vous joigniez le vapeur, c'est-à-dire le bateau, à tel moment, et allez ça, et puis on vous attend. À la nage, il nage de sa ville de Sri Lanka, pour atteindre ce bateau. General Zadaza. General Zadaza. Creo que fue leadbeater qui le dijo a General Zadaza, tienes que coger el barco que sale. À la nage. Que sale a tal hora de tal sitio y se fue nadando desde su casa hasta allí donde tuvo que coger el barco. Oh, y hay certainement d'autres exemples. Je n'ai que muchos ejemplos, pero ahora solo recuerdo esto. Pour illustrer le fait que quand on vous demande quelque chose et que il y a le discernement qui est déjà développé tant soit peu, vous pouvez voir tout de suite c'est la chose à faire et vous ne dites pas attendez que je réfléchisse. ¿Cómo he empezado? Cuando está desarrollado el discernimiento, enseguida que se os pide algo, vosotros sabéis inmediatamente lo que tenéis que hacer, pero no sirve que digáis,
O sea, que la cosa está mal cuando decís, espere, ya lo pensaré. C'est la méthode de test des grands instructeurs. Es el método de probar de los grandes instructores. Cela veut dire quand il y a une acceptation immédiate, cela veut dire qu'il y a confiance totale. Cuando hay una aceptación inmediata, quiere decir que hay una confianza total. Dans le domaine des humains, ça applique, mais avec beaucoup de danger. En el reino de los humanos, esto se aplica, pero con mucho peligro. Il y a des gurus de bon marché qui disent, mais venez, venez, dites ce que je dis, il faut le faire. Il y a des gens, oui, 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 et donnez votre argent, oui, 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 quittez votre famille, oui, 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 arrive à 50 ans, il n'y a plus rien. Hay gurús, c'est muy de moda, que dicen, ven, ven, y enseguida van, dame todo el dinero, y se lo dan, deja tu familia, y la dejan, y después a los 50 años ya no hay nada. Ce sont des gurús de pacotilla. Son gurús de pacotilla. Hein? De pacotilla. 5 roupies. Donc, je voulais dire ici, ce n'est pas le fait d'obéir directement, immédiatement, c'est cette faculté de discernement à qui on obéit et pourquoi on obéit. No, la cosa no está en obedecer inmediatamente, sino en ese discernimiento que os hace saber por qué obedecéis inmediatamente y a quién obedecéis. Il faut que nous apprenions à distinguer ce qui est le vrai joyau ou la pacotille. Hay que aprender a distinguir cuál es la verdadera joya y la pacotilla. Du plastique. El plástico. Ou de l'or. O el oro. Quelque chose comme ça. À l'œil, on peut le voir. Une faculté de l'âme spirituelle, c'est cette faculté de discernement qui est la couronne de toutes les connaissances. Con el ojo se puede ver, pero el discernimiento es esa facultad del alma espiritual que es la corona de todos los conocimientos. Et cette couronne de discernement, parfois, s'appelle l'amour. Y esta corona del discernimiento a veces se llama el amor. De façon surprenante. De manera sorprendente. Parce que ceux qui ont la jalousie, l'envie, la haine dans le cœur ne pourraient jamais atteindre à ce degré de discernement. Porque los que tienen en su corazón los celos, la envidia y el odio no pueden llegar nunca a ese nivel de discernimiento. ¿Vous savez pourquoi? ¿Sabéis por qué? Je vais essayer de vous dire. Intentaré decíroslo. Que vous acceptiez ou pas, considérez la chose. Tanto si lo aceptáis como si no, reflexionad. Tous les défauts comme l'envie, la jalousie, la haine, tout cela renforce votre ego parce que ça vous isole des autres. Todos esos defectos como el odio, los celos o la envidia, todo eso refuerzan vuestro ego porque os aíslan de los demás. Toutes ces caractéristiques agissent de façon contraire à l'amour. Todas estas características actúan de forma contraria al amor. L'amour unifie. El amor unifica. L'amour rassemble. Une. En rassemblant, l'amour aussi présente à l'autre quelque chose d'extrêmement, je dirais, suprême pour la tâche de l'humanité. Y al unir, el amor presenta al otro algo extremadamente importante para la tarea de la humanidad. C'est la qualité suprême, l'amour. Es la cualidad suprema, el amor. L'humanité a beaucoup de difficultés à comprendre ce concept, cette chose appelée amour. La humanidad tiene muchísimas dificultades para entender este concepto del amor. Parce que quand ils parlent amour dans l'humanité, la première chose, c'est qu'ils font des enfants. Porque cuando se habla del amor en la humanidad, lo primero que viene a la cabeza es hacer niños. D'accord. De acuerdo. Faut le faire, parce que sinon la terre sera bientôt vide. Se puede hacer porque si no la tierra acabaría vacía. Mais ils n'arrivent pas à décoller plus haut. Pero no llegan a subir más que eso. Amor, 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 c'est tout de suite, allez, on fait des enfants. Amor, amor, siempre, ir a hacer niños. Bah, je dis des enfants, vous savez ce que je voulais dire. Parfois, ce n'est pas faire des enfants, a veces faire autre chose. Hacer niños.
Alors, donc, c'est toujours comme ça et l'humanité reste toujours au même niveau en répétant la même chose. Amor, 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 il faut vivre avec amour, il faut aimer. Mais c'est quoi cet amour? Y esto siempre sigue igual en la humanidad. Se habla mucho de amor, pero ¿qué es este amor? L'amour, c'est l'absence de moi. El amor es la ausencia del yo. À chaque fois que quelqu'un dit « je t'aime », il y a deux mots de trop. Cada vez que una persona dice « te quiero », hay dos palabras que sobran. ¿Lesquelles? ¿Cuáles? ¿Eh? Bon, c'est à vous de décider. Il y en a deux de trop. Ya lo decidiréis vosotros, pero hay dos que sobran. Alors donc, les mots sont les mots. Las palabras son las palabras. Les mots ont un pouvoir extraordinaire si on sait les utiliser. Las palabras tienen un poder extraordinario façon, si se sabe utilizar. La meilleure façon, la façon suprême de les utiliser, c'est de les utiliser pour les surpasser. Pero la mejor, la forma suprema de utilizarlas es utilizarlas para poder ir más allá. C'est la méthode de l'école bouddhiste Mahayana Zen Uchan. Il vous explique plein de choses avec des théories extrêmement subtiles. Et après, il me dit, mais tout ça, c'est rien du tout. Es el método de la escuela budista Mahayana, donde os explican muchas cosas y después dicen, pero bueno, pero todo esto no sirve de nada. Pendant ce temps-là, vous vous tortillez le mental pour comprendre des choses incompréhensibles. Arrive un moment où vous dites, je suis complètement épuisé et le mental ne travaille plus. Et l'instructeur vient et dit, mais non, c'est rien de tout ça. Je t'ai eu, quoi. Y durante mucho tiempo la mente está allí retorciéndose a ver si entiende cosas totalmente incomprensibles y cuando ya está la mente súper cansada viene el instructor y dice no, si no se trata de nada de eso. C'est comme si vous pétrifiez la farine. Es como si amasáis la harina para preparar el pan. Et quand ils n'arrivent pas à lever, eh bien l'instructeur boulanger vient vous dire, eh ben non, c'est pas comme ça, tu recommences. Et tu recommences. Arrive un moment où on dit, mais t'as pas besoin de pain. Pourquoi es como cuando estáis amasando el pan allí y no se eleva, el pan no se levanta. Entonces viene el instructor y dice, no, es que no lo haces bien, y vuelves y continúas. Y luego viene y dice, pero si no necesitas pan, ¿para qué lo haces? Mais entre-temps, votre mental, il est bien pétrifié et moins de gens pourraient venir vous tromper en vous racontant des histoires parce que vous avez examiné tous les recoins qui ne viennent pas vous raconter des histoires. Et des gourous de pacotille, ben, vous donnez un coup de pied là où il faut pour les sortir de votre maison. Pero mientras tanto, vuestra mente ha sido muy amasada, de manera que cuando venga un gurú de pacotilla y os quiera contar historias, vosotros ya habréis pasado por todos los recovecos de la mente y ya nos dejaréis engañar y le daréis una patada en el culo. Vous savez, Je l'ai dit, c'est muy bien. Bon, alors donc, je m'amuse en vous parlant, vous savez, puisque c'est le centenaire, je peux m'amuser quand même un peu. Hein. Comme c'est le centenario, me puedo divertir un poco. Oui, on sera plus sérieux à la retraite. Mais le retiro sera más serio. Je m'amuse beaucoup en vous parlant, parce qu'il y a beaucoup de souvenirs qui viennent, souvenirs que je n'osais pas jusque-là vous raconter, parce que c'est tellement amusant que ça va faire rire l'auditoire. Alors donc, je disais, l'amour, c'est là où il n'y a pas de moi. Bueno, decía que el amor es cuando no hay yo. Quand quelqu'un dit je veux aider l'humanité, il n'y a pas d'amour. Cuando alguien que dice yo quiero ayudar a la humanidad, no hay amor. Parce que c'est je veux d'abord. Porque primero viene yo quiero. Vous comprenez? Alors, la rétrospective du passé, il y a une qualité qui sort de tout ça. C'est l'absence de soi. En toda la retrospectiva del pasado hay una cualidad que sale de eso, que es la ausencia del yo. Oui. Ils allaient en prison, bah, oui.
Ils ont tué, c'est plus grave, mais oui. Ils ont été torturés, mais oui. Mais tout cela qui s'appelle la théosophie existe encore et la société théosophique est renaît. En ese pasado hubo personas que, a las que fusilaron, otros que encarcelaron, sí, pero la teosofía sigue viva y renacida. L'avenir de la société théosophique, ici, ailleurs, partout, est basé sur cette capacité de chaque membre d'oublier soi-même. El futuro de la sociedad teosófica en todas partes se basa en esta capacidad de cada miembro de olvidarse de sí mismo. Que ça soit dans l'étude, que ça soit dans le service, que ça soit dans la méditation, il faut que moi disparaisse. Tanto si es en el estudio, como en el servicio, como en la meditación, ese yo tiene que desaparecer. C'est pas vous qui aidez, ce n'est pas vous qui méditez, ce n'est pas vous qui étudiez, mais cette conscience universelle qui veulent de plus en plus pénétrer dans votre mental pour en faire quelque chose de plus vaste. No sois vosotros los que meditáis, los que estudiáis, sino esa conciencia universal que quiere penetrar en vuestra alma espiritual para convertirla en algo más amplio. Au niveau de la conscience, quelque chose se passe de façon très sensible, très visible, et c'est superbe dans le petit livre que je vous ai déjà suggéré d'étudier, le Viveka Chudamani, ou le joyau de la discrimination. En el nivel de la conciencia pasa algo muy, muy importante que está muy bien descrito en el librito que ya os he recomendado leer, que es el Viveka Chudamani, la joya del discernimiento. Vous vous rappelez l'histoire? Nous sommes l'humanité comme une, la conscience une, c'est comme cette masse de mercure une. La conciencia de la humanidad es como es solo una. Et pour quelque raison, cette masse mercure est tombée par terre et les gouttelettes ramassent plein de poussière et se séparent de la masse centrale. Y por alguna razón, esa masa de mercurio cae al suelo y empiezan a salir gotitas por todas partes. Mais chaque gouttelette, c'est du mercure, comme la masse centrale. Pero cada gotita es mercurio, como la masa central. Si vous nettoyez la surface sale et enlève la poussière, les gouttelettes de mercure ne demandent qu'une chose, c'est de rouler vers la masse centrale. Si limpiáis la suciedad, todas esas gotitas de mercurio, lo único que quieren es volver a la masa central. C'est notre situation. Es nuestra situación. Nous sommes une dans la conscience universelle. Somos uno en la conciencia universal. Une goutte de cette conscience. Une goutte de cette conscience. Una gota de esa conciencia. Assombrée par nos impuretés. Ensombrecida por nuestras impurezas. Des scandales, si on veut utiliser le mot. Et arrive un moment où nous sommes très très certains que nous sommes séparés des autres. Por los escándalos, si queréis así decirlo. Pero llega un momento y llega un momento en el que estamos seguros de que estamos separados de los demás. Mais le moment où les impuretés, les poussières, cette conscience va regagner cette conscience universelle qui est la masse centrale du mercure. Pero en el momento en que todas las impurezas y suciedades hayan desaparecido, esa conciencia va a volver a juntarse con la conciencia universal, que es esa masa grande de mercurio. Que l'amour nous guide. Que el amor nos guíe. Sans faire trop d'enfants. Sin hacer demasiados niños. C'est cet amour pur avec un grand A qui fait que toutes les choses seront transcendées et que la compréhension, la vraie nature de l'humain soit comprise. Et cette nature et cette nature divine, les deux sont identiques. Tu peux couper. Que l'amour nous guide, que cet amour nous guide. Que cet amour nous guide. C'est pas cet amour pour faire des enfants. Que no ça es, se comprend. Sí, ya se entiende que no es el amor. Cet amour qui fait, qui nous apprend à vivre sans moi. Es este amor que nos enseña a vivir sin yo. Et comme des gouttes de mercure une fois purifiées, cette conscience
séparer de ce moi de séparativité va nous repousser vers la conscience une, réelle et réalisée. Y una vez quitadas las impurezas, este amor hará que nuestra conciencia vaya hacia la conciencia universal et réaliser que, y realice que de tout temps, siempre nous sommes le divin. Nosotros la poussière qui nous sépare et qui nous sens de cette identité. Y son, son impurezas que nos separan y ensombrecen nuestra conciencia de esa identidad. Que l'amour nous guide. Que el amor nos guíe. Pour le siècle à venir. Durante el próximo siglo. Et d'autres siècles. Y los siglos siguientes. Peut-être que nous aurons l'occasion de fêter le deuxième centenaire ensemble. Quizá podremos celebrar el segundo centenario juntos. Dans une autre naissance. En otro nacimiento. Mais l'esprit est gardé. Pero el espíritu será el mismo. Merci. Il y a des questions ou pas? Il y a temps pour des questions. No sé si hay preguntas. La digo en castellano, ¿eh? Sí, sí. Y después en francés, vale. Has puesto, Kim, gracias primero de todo por la exposición. Has puesto un ejemplo del budismo Mahayana que utiliza estos conceptos complicados para mantener la mente ocupada y conociendo todos sus rincones. Y así, si viene un gurú de pacotilla, le damos una patada en cierta parte. Muy bien. Me ha sonado la teosofía. ¿Se podría hacer un paralelismo con la teosofía? Ah, oui, je voulais. Donc, voilà, vous avez compris, je pense, la première partie, c'est que vous avez donné l'exemple du bouddhisme Mahayana qui entretient le mental occupé avec beaucoup de concepts très compliqués, mais après, très occupé avec tous les coins du mental, on connaît bien l'intérieur. Et après, avec ça, on peut donner un coup de pied à un gourou de papadilles. Oui. Est-ce qu'on pourrait faire un parallélisme avec la théosophie? C'est-à-dire? C'est-à-dire nous maintenir très occupés avec des concepts très compliqués. Non, non, je parle surtout pour les gourous de pacotille. Est-ce que vous avez des gourous de pacotille dans le... No, no, yo estaba hablando de los gurús de pacotilla. Oui, je comprends ce que il veut dire. Pero entiendo lo que quieres decir. Étudier, ce n'est pas garder le mental occupé. Estudiar no significa tener la mente ocupada. Il y a une chose très importante, sinon essentielle, c'est l'intelligence. Hay una cosa muy importante y esencial que es la inteligencia. Il y a beaucoup d'étudiants, c'est sûr, mais d'étudiants intelligents, il y en a moins. Hay muchos estudiantes, pero inteligentes son menos. Sorry. Donc, il faut étudier, mais avec intelligence. Hay que estudiar, pero con inteligencia. C'est quoi étudier avec intelligence? ¿Qué quiere decir estudiar con inteligencia? C'est étudier pour comprendre, mais ce n'est pas pour accumuler. Es estudiar para comprender, no para acumular. Vous lisez quelque chose de très, très subtil. Très abstrait, essayez de comprendre, mais pas pour seulement accumuler, répéter, pour réciter après. Estáis leyendo algo muy sutil, muy abstracto. Intentad comprenderlo, no estudiarlo para poderlo repetir después. Pourquoi il parle comme ça? Sepa. Non, allez, je l'efface. Voilà.
Bon, c'est bon là, c'est bon. Bon, alors donc, apprendre, étudier, c'est surtout pour comprendre. Estudiar. Estudiar es sobre todo para comprender. Souvent, les étudiants qui viennent étudier la théosophie, ils sont envahis par l'avidité du savoir. Muchas veces los estudiantes que vienen a aprender teosofía están invadidos de la avidez del saber. Vous savez ce que c'est que l'avidité? L'avidité, c'est plus, plus, plus. La avidez es cada vez más, cada vez más. J'ai ça, mais je veux plus, plus, plus. Et je saisis, et je mets ça dans des tiroirs, mais sans rien comprendre. Y quiero, tengo esto, pero quiero más, y lo cojo todo y lo pongo en el cajón, pero sin entender nada. C'est le manque d'intelligence. Es la falta de inteligencia. J'ai rencontré dans mes voyages, je ne dis pas le pays, parce que j'ai rencontré un homme dans un pays d'Europe, qui est venu me dire, vous savez, Miss Kim Diu, j'ai lu 7 fois la doctrine secrète. Sí, en un país de Europa que no diré cuál es, conocí a un señor que me dijo, vino, se acercó y me dijo, ¿sabes, Kim Diu? He leído 7 veces la doctrina secreta. Avec mon mentor et mon ami et mon collègue, président de la fédération, on s'est regardé, on dit, mais il a battu tous les records, 7 fois. Con Kurt Berg, que a la época era el presidente de la federación, y mi compañero, nos miramos y dijimos, pues ha batido todos los récords, 7 veces. J'ai dit à Kurt, attendez un peu, on va le tester. Y le dije, espera que vamos a probar. A une autre session, je dis, mais vous avez lu 7 fois la doctrine secrète, hein? Vous êtes un homme de savoir. Si quelqu'un viens vous demander qu'est-ce que c'est que la loi du karma, vous pouvez le résumer en 5 minutes. Y le dije en otra sesión, bueno, ha leído usted la doctrina secreta 7 veces, es un hombre muy culto, si alguien se le acerca y le pregunta, ¿me puede resumir la doctrina del karma, la ley del karma en 5 minutos? ¿Lo podría hacer? Il m'a regardé avec des yeux de Merlan Free. Y me miró con ojos de... Les yeux grands ouverts d'étonnement. De besugo, con ojos de besugo. Jamais quelqu'un lui a posé cette question. Nadie, parce que. Nadie se lo había preguntado nunca. Parce qu'il ne laisse pas le temps que les gens posent des questions. Il parle pas. Il récite la doctrine secrète. Porque recita la doctrina secreta, habla. Nunca deja tiempo que nadie le haga ninguna pregunta. Vous confrontez avec des questions, c'est là où vous allez tester vous-même si vous avez compris. Atreveros a que os hagan preguntas, porque aquí es donde probaréis si habéis comprendido. Comprenez, vous lisez, une heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, et les autres, vous dites, oh, voilà, notre maître. Et il est c'est un gourou de pacotille dans ma société. Leéis une heure tras otra, todo de obras teosóficas. Y los otros dicen, oh, es nuestro maestro, pues es un gurú de pacotilla. No remplissez pas le mental. No rellenéis la mais mente. Mais le travaillez comme pétrir la pâte pour faire du pain. Pero trabajad, amasadlo. Même si après l'instructeur vient vous dire, mais tu n'as pas besoin de pain, pourquoi tu fais ça? Pero amasadlo como si estuvierais amasando la harina para hacer pan, aunque venga el instructor después y os diga, pero si no necesitas el pan. Grimpez les marches du savoir. Subid por los peldaños del saber. Mais avec cette idée dans votre mental, au bout de l'échelle, vous devez sauter. Pero con esta idea en la mente de que cuando lleguéis arriba de la escalera tenéis que saltar. De la mente. Dans le mental, en la mente, il faut garder cette idée qu'au bout de cette échelle, il vous faut sauter. Que al final de la escalera... O sea, tenéis que tener la idea en la mente que al final de la escalera tenéis que saltar. Y no pas aller sans fin. Y no seguir subiendo sin fin. Parce que ça devient pathologique. Porque se convierte en algo patológico. Okay. Bon, je vais pas finir avec le mot pathologique. No voy a acabar con la palabra patológico. Mais je vais pas vous prendre plus de temps.
souvenez-vous d'une chose, la valeur d'une action dépend de l'absence du moi. Pero recordad una cosa, el valor de una acción depende siempre de la ausencia del yo. Finito. Muchas gracias, Kim. Dibu. A ver, nos hemos comido un trozo de merienda.